On embarque pour le voyage d'une vie. Une aventure qui nous emmènera partout dans le monde. On écoutera des histoires et partagera des idées que tu n'es pas prêt d'oublier. Ce ne sera pas une conférence où on sera les seuls à parler, mais une conversation. Tout le monde pourra poser ses questions et partager ses idées. On a hâte de commencer cette aventure avec toi. Mais avant tout, je suis Jason et voici Ben. On va aborder un sujet différent à chaque épisode. On va te faire réfléchir à ce que tu penses et t'inviter à en parler avec les autres. À chaque épisode, il y aura 3 pauses pour discuter. Il y aura une question à laquelle des gens du monde entier répondront. Puis tu auras le temps d'en discuter avec nous. Nos questions sont un point de départ, mais la conversation peut s'en éloigner. Certaines nécessitent une réflexion. D'autres sont là pour briser la glace, entamer la conversation. Par exemple, Ben, tu ferais quoi si tu avais 24 heures pour faire tout ce que tu veux? Moi, j'ai déjà quelques idées. Et je peux amener des amis? Autant que tu veux. On a un budget illimité? Oui, illimité. Budget illimité. C'est une mauvaise idée. Trouve-en une autre. Ok, nouvelle idée. Ça chatouille. Moi, je jouerais plutôt avec des tigres. Sauter d'un hélicoptère, ouais. Un motoneige, okay. Sur une montagne. Ouais. Sauter d'une falaise en parachute. Punaise. Acheter des fringues et voyager. Voyager. Sauter en parachute. Oui, sauter en parachute. Je prends toute ma famille et tous mes amis et j'achète une grosse île. Je crois que je louerai une île. Je serai avec des potes et des jolies filles et on serait tous sur un yacht. D'abord, j'achèterai une PS4 Pro. J'irai à Disneyland. Je visiterai quelques musées d'art. Je suis créatrice de mode, donc j'irai sûrement organiser mon propre défilé de mode à Copenhague. La vie est remplie. Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre, je mange quoi? Je m'habille comment? Qui je vais voir? Parfois des questions plus importantes comme, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qui j'épouserai? Où j'habiterai? Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. On veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Dans chaque épisode, avec Jason, on abordera un sujet différent depuis une perspective chrétienne. Je sais que le mot « chrétien » va soulever des questions. Suis-je le seul à ne pas croire à tout ça? En grandissant, l'Église et le christianisme ne m'intéressaient pas plus que ça. Je trouvais ça ennuyeux. Je m'imaginais des personnes âgées chanter des vieilles chansons, lire des vieux livres et boire du thé ensemble. Je n'ai jamais envisagé que je... J'adore le thé. Désolé, t'as parlé de thé, ça m'a fait penser au thé vert glacé, sucré, avec un petit peu de limonade, que j'ai goûté récemment. Ça a l'air délicieux. C'est super rafraîchissant. Tu l'as trouvé ici? C'est un produit local. Silence. Quand j'ai commencé à penser au christianisme, je me demandais si c'était vrai. S'il y avait de vraies raisons d'y croire. Je ne voyais pas le rapport avec ma vie. Je me demandais quel est le rapport entre un homme qui a vécu il y a 2000 ans à l'autre bout du monde et ma vie aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dire que dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. Ou si j'avais de meilleures notes, ou si je connaissais les bonnes personnes, ou si j'avais le boulot parfait, ma vie serait complète. Mais bizarrement, peu importe ce qu'on met dans le réservoir du bonheur, on en voudra toujours plus. Et même si ces choses sont bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que la vie ne se résume pas qu'à ça. Il y a comme un vide dans notre cœur, une profonde faim spirituelle qu'on essaie tous de combler. Jésus-Christ, la figure centrale de la foi chrétienne, a dit « Je suis le pain de vie ». Il dit être celui qui comble ce vide, celui-même qui comble cette faim.